C'est une information qui nous a été communiquée ce matin par une personne proche du régime criminel de Denis Sassou Nguesso. Jean-François Ndenge, impliqué dans plusieurs affaires de sang, dont les disparus du beach de Brazzaville, serait hospitalisé ici en France. Selon des sources bien introduites et bien informées, l'homme de main, celui qui reprime à tour de bras les opposants politiques en République du Congo, présente une santé préoccupante et son pronostic vital serait inquiétant. Certains pensent qu'il aurait été empoisonné. Pourquoi donc venir se soigner en France si le tyran Denis Sassou Nguesso a construit des hôpitaux modernes dans le pays? Après presque 40 ans de règne sans partage, ils sont incapables de construire des hôpitaux et de former un personnel pouvant les soigner. Quel gâchis! Jean-François Ndenge, malade. Nous suivrons de près ce dossier. Nous n'hésiterons pas de vous informer dans les jours qui suivent.